Hello, il fait super beau, alors j'ai décidé d'aller prendre une marche avec Théo. Peut-être qu'il va faire sa sieste dans la poussette. Alors, on y va. Alors, vu que j'allais prendre une bonne marche, je voulais faire une très longue marche. Alors, dans le sac à couche, j'ai emmené son verre d'eau. J'ai emmené sa crème solaire parce que j'en ai mis un petit peu dans le visage. Puis, je me suis dit, il faudrait que je lui en remette. Alors, je l'ai mis dans le sac à couche. Moi, je me suis apporté une bouteille d'eau. Je vais aller me chercher un café aussi parce que je n'ai pas encore pris ce matin. Aussi, dans le fond, Théo, je l'ai habillé avec plusieurs petites couches parce que il faisait quand même chaud, mais avec un petit vent, alors c'était un petit peu difficile de se décider de quoi lui apporter. Alors, je vais vous montrer son petit kit. Il a ses petites lunettes fumées, ses running shoes, son petit coton jean. Il y a un cache-cou, je pense, la manche longue en dessous de son petit coton jean, mais là, je pense qu'il fait dodo. Fait que c'est ça. On va peut-être aller au parc tantôt, j'aimerais vraiment ça. Alors, on va voir après que ce soit réveillé. Puis, en même temps, moi, ça me fait faire de l'exercice. Youpi! Explore le balcon. Je vais te parler un petit peu de notre belle marche qu'on a pris. On a fait une belle marche de 2 heures. Il y a un peu de vent. Théodore, il a dormi pas tout le long, mais une bonne partie. Il a fait une belle sieste au grand air. Je pense qu'il aimait ça. J'ai marché jusqu'à l'aubainerie. J'ai fait cette merveilleuse petite trouvaille, le petit chapeau. Oups, non, je m'arrête, moi. Je devais lui en acheter des nouveaux parce que celui-là qu'il avait l'été passé, ben évidemment, il était trop petit. Puis celui-là, non. Ici. Excusez. Celui-là, que l'année passée était trop petit, c'est ça. Puis je n'avais eu de mon cousin, mais des 2 ans. Fait que c'est vraiment trop grand pour sa tête, là. Alors, j'étais partie à la recherche de petits chapeaux. Puis à l'aubainerie, j'en ai trouvé 2 super cute avec une autre petite trouvaille. Je vais vous le montrer tantôt. Fait qu'après la marche, quand on est revenu, j'ai fait dîner Théo. Il a dîné. Et après ça, je l'ai changé. Puis là, j'ai installé un... un genre de setup là, avec une couverte pour pas qu'il y ait des charges sur le bois. Fait que là, depuis tantôt, là, il joue. J'ai mis la crème solaire, inquiétez-vous pas. Puis j'ai mis un petit nouveau chapeau pour protéger son dessus de tête. Puis à date, il a l'air quand même apprécié. Son petit verre d'eau, là, pour vu qu'il fait chaud. Puis pendant ce temps-là, ben moi, je bois un petit coke diète à l'orange sanguine. Puis j'ai mangé du melon d'eau. Alors, c'est ça pour qu'est-ce qui est. C'est ça qui est ça. Puis, tantôt, dans le fond, dans pas longtemps, là, dans le fond, dans 1 heure, on s'en va à la piscine parce que je dois coacher. Il est ouvert, le moustiqueur. Je dois aller à la piscine. Oups. Coacher. Il va se faire garder par Isabelle, la maman d'une de mes filles. Et après ça, vu que je vais terminer quand même 7h30, on va revenir à la maison, puis ça va être tout de suite. Le dodo pour monsieur ici. Ce que j'ai acheté à l'aubainerie aujourd'hui, dans le fond, moi, je cherchais des petits chapeaux pour Théo. J'en ai trouvé. Alors, j'en ai acheté 2. Le premier, c'est lui que Théo avait tantôt sous la tête avec des petites oreilles. Il est blanc, aligné comme bleu poudre. Il y a une petite corde en dessous, fait qu'il s'attache. Il a vraiment besoin de ça parce que Théodore, lui, il enlève ses chapeaux tout le temps. Et un autre en genre de jean avec un imprimé des feuilles tropicales bleu marine. Et
Dans le fond, il est réversible des deux côtés, côté avec des imprimés, puis l'autre côté vraiment juste comme en jean. Puis vu qu'il est réversible, mais il y a une petite place ici pour rentrer le cordon pour qu'il puisse s'attacher les deux côtés. Parce que je trouvais ça vraiment génial. Puis dans le fond, je n'ai pris deux parce que c'était marqué 2 pour 12 ou 1 pour 6,98. Fait que dans le fond, je n'ai pris deux. Je me suis dit que j'allais avoir plus de l'embarras du choix d'en avoir deux. Sinon, j'ai perdu l'autre petite tuque de semi-saison, là, vraiment mince. Puis là, il était comme en spécial. Il était 5,98. Une petite tuque grise, protéger ses oreilles. Vraiment, vraiment mince. C'est pratique quand il y a des petites soirées plus fraîches puis qu'il y a vraiment du vent là, pour protéger ses oreilles. Fait que vu que j'avais perdu l'autre, ben, j'ai pris celle-là qui était en sol. Là. Elle est grise, elle a trois petits pompons sur la tête. Là, c'est vraiment cute. Fait que ça, je l'ai pris aussi vu qu'on avait perdu l'autre dans le temps de Pâques. Je sais que l'été s'en vient, mais il y a encore des petites soirées fraîches, puis il y a du vent quand même encore un petit peu. Je l'ai acheté. Là, je m'empêchais d'acheter l'imperméable. Je cherchais un imperméable jaune pour Théo. Les chapeaux, j'ai pris 12-24 mois. Celui-là, j'ai pris 18 mois. Après ça, que ça efface pendant tout l'été. Je vais y essayer. Si ça fait pas, dans le fond, j'ai 30 jours pour aller les changer. Je le trouvais vraiment cute, ligné à l'intérieur. Je me suis dit qu'elle est vraiment mignon avec ça. Mon chum me disait, ben non, il y a assez de manteau. Je dis, ben non, il n'y a pas de manteau de pluie. Je pense que ça va être pratique d'avoir un beau manteau de pluie. Puis j'en voulais un jaune comme ça. Je trouve ça trop cute. Fait que c'est tout pour mes achats d'aujourd'hui. Oups, il y en a un qui est tanné. Ça tombe bien, j'ai fini avec ça. Une petite tuque, un manteau de pluie, puis deux beaux petits chapeaux. Vraiment contente. Chez Carter's parce qu'il faisait super chaud lundi. Puis chez nous, ça se réchauffe facilement. On n'a pas encore installé l'air climatisé. Fait que dans la chambre à Théodore, il faisait 25. Fait que là, je l'avais couché assez léger. Puis je me suis dit qu'il manquait des pyjamas plus d'été. Alors, ma mère m'a emmenée chez Carter's puis elle nous a gâtés. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Il y en a un par contre que je peux pas vous montrer parce que je l'ai mis sur Théodore ce soir, mais je vous le montrerai dans des photos ou dans une autre vidéo. Fait que dans le fond, on a un petit kit ici. All Star. C'est sûr que Cédric va vraiment aimer ça. Alors, il y a un t-shirt avec une paire de shorts. Puis aussi, sur le même petit kit ensemble, le chandail manche longue. Plus le pantalon. Fait que ça, ce serait le premier. Le deuxième ticket, c'est des petits monstres. Alors, un t-shirt aussi avec une petite short. Puis, quand je vais de l'autre côté, on a un autre t-shirt
puis le pantalon avec des monstres dessus. Puis l'autre kit qu'on a acheté aussi, c'est avec des baleines. Alors, c'est un t-shirt avec une short et un pantalon. Fait que c'est pas mal ça pour nos achats. J'ai pris du 18 mois, même si normalement, ils mettraient du 12 mois. Mais dans ces choses, ceux-là en coton, moi, je trouve qu'ils refoulent une petite affaire. Fait que je prends tout le temps un peu plus grand. C'est tout! Alors, excusez mes cheveux sales et tout. Ça va aller demain matin. Théodore est couché, puis je vais pas le réveiller avec la douche. Je suis en train de me faire un petit thé orange péco, pas de caféine, parce que ça me tente de dormir à soir. En attendant que Cédric arrive de travailler pour qu'on puisse passer un peu de temps ensemble avant de se coucher. Fait que mon thé, je vais le prendre tout avec un petit peu de sucre puis du lait parce que je trouve ça meilleur. Puis j'ai toujours été habituée comme ça. Ma grand-mère, elle m'en faisait quand j'étais petite, puis c'est comme. C'est resté de même. Hier, j'ai pris une marche de 2 heures là, au soleil. J'ai brûlé, là, ça paraît vraiment pas tant que ça, là, mais j'ai brûlé sur mon nez, dans le front. J'ai brûlé ses... Ah ouais, ça paraît. Brûlé ses épaules, là, vraiment comme une débutante. Là. Théodore, lui, j'avais mis de la crème solaire, mais pas moi. Fait que c'est ça. On vit de nos erreurs, je vais m'en rappeler. Puis là, ça me fait full mal parce que quand il s'agrippe après moi, il me pogne la peau, puis ça fait vraiment mal. Mais bon, j'aurais dû mettre de la crème, c'est de ma faute. Là, au moins, aujourd'hui, il faisait un petit peu, pas au moins. Je suis contente quand il fait beau, mais là, ça a pu me donner un petit break, là, de pouvoir cacher mes coups de soleil, puis de pouvoir me reprendre dans les prochains jours qui annoncent beau. Fait que, sinon, ça a été quand même une bonne journée, là, matin, le coaching avec le petit, je l'amenais avec moi, après ça, on avait l'ostéo, j'ai des commissions à faire, fait que c'était une bonne journée quand même. Puis là, ça se peut, j'ai travaillé un petit peu sur mon ordinateur, sur... truc personnel, puis après ça, hop au lit, puis on se reprend pour une autre journée.